le 25 septembre 2018. Quelque part, près de Tarbes. Tu dois te demander ce que je fous là. Au pied des Pyrénées et au milieu des champs. Au milieu de rien en fait. J'habite ici maintenant. Et Lyon, c'est terminé. C'est la fin d'un long, long parcours qui s'est terminé l'hiver dernier. Alors tu te demandes pourquoi je suis parti ? Ben c'est simple, j'avais plus rien. Plus de taf, plus d'appart, plus de thunes. Une seule idée en tête, c'était de m'en sortir. Et pour m'en sortir, il fallait que je casse la routine. Alors j'ai pris un sac, je l'ai rempli d'affaires et je l'ai attaché solidement sur ma moto. Et je vous ai rencontrés. C'est comme ça que commençait mon voyage à votre rencontre. Traverser la France en solitaire, par des températures souvent négatives, ne pas savoir ce que j'allais faire, ni où je serais dans l'heure qu'allait suivre. Un voyage en ligne droite, sans retour possible, avec un seul objectif. Quand ce voyage se terminerait, j'aurais retrouvé un job, j'aurais du fric et un chez moi. On a un petit stream YouTube tranquille avec un abonné au téléphone qui me lit le chat, comme ça j'ai pas besoin de lire mon téléphone, je regarde la route, je suis tranquille. Et on vient de quitter Lyon il y a 5 minutes, direction Valence. Je suis un peu en dessous de Vienne et donc on va essayer d'y aller par les petites routes. Alors on va pas prendre des toutes petites routes parce que je suis en retard déjà, je suis à 20 parties, je suis déjà à la bourre. On va prendre la N7 pépère et on va tracer tout droit jusque dans le bled de mon pote abonné Antoine. Par contre, je suis déjà en PLS d'essence, il me reste plus que 57 km. Donc dès qu'on voit une station... Oh bah putain, alors ça... Alors ça, j'aime bien. Vas-y, bah nickel, on fait le plein. Pef. Bah, c'est chelou en fait. Mais c'est, il est dégueulasse. Et genre juste là, c'est le bleu. Oh, mais ils sont beaux. Merci. Bah, j'aime pas trop doubler avec mon gros sac derrière, mais bon. Quand j'ai la place comme ça, on y va. Hein. Oh bâtard. T'as une petite morve. C'est vrai, j'ai une grosse morve. Côté. T'as un mouchoir? J'ai rien du tout. Merde. Il y a des merdes. Holy shit. Bon, on est sur le bord de la route. C'est super. Avec super Francis Antoine. Salut les gridos et les gridettes. Alors là, il m'a saoulé direct. Bon, bah voilà, comme ça tu peux voir tout le bordel que je me trimballe. J'ai fini par croiser Antoine au milieu de nulle part dans les environs de Valence. Du coup, il m'a proposé de m'accompagner quelques kilomètres en direction de Montpellier. Bon, bah vas-y, c'est parti, hein. Je suis. Pas de problème, commissariat derrière. Bon, on a roulé un petit peu. Alors, avis la moto, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Yes. Achetez-la. Le con. Ah, ce que tu disais du coup, c'est que le shifter, ça fait un boost, ça n'a rien à voir par rapport aux vidéos, c'est ça? Ouais, bah disons que quand il passe une vitesse à côté, ça fait un bruit sourd dans l'oreille après, tu vois. Quand t'as juste, tu vois, deux pauvres micros versus t'es à côté, ça te claque dans la gueule. Parce qu'en vrai, il y a 150 décibels là.
Bon, c'était pas bien long, mais c'était fort sympathique. Ouais. Et puis écoute. Ouais, ça marche. Depuis que j'ai mis ce sac, du coup, pour monter sur la moto, c'est trop la merde. Yes. Bon. Yes. Au plaisir, mec. Putain, je monte toutes les écoles. Et puis, bah, écoute, ouais, la prochaine à l'occasion, au pire, sur les streams, hein. Ça marche. Allez, ciao, gros. J'ai fini par prendre l'autoroute parce que j'étais quand même sacrément à la bourre. Et j'ai bien sûr pris grand soin de respecter les limitations de vitesse, très important. Voilà, donc là je vois que dalle, je vois que dalle de ouf. J'ai fait une dernière petite pause pour prévenir Eric, alias Kikastar ou Castar pour les intimes, que j'arrivais chez lui. Je vous montre pas les images car il faisait nuit et en plus il avait pas spécialement envie qu'on voit où est-ce qu'il habite. Donc là on est le lendemain de mon départ. Du soleil à l'ancienne. Ça fait du bien Montpellier, merci pour ton accueil avec le soleil, c'est cool. Du coup on va se casser avec le podcastar en ville, on va voir s'il y a des abonnés qui traînent un peu. Puis voilà, on va boire un coup, c'est parti. Non, ça va. Je sens que tu tangues un peu, mais ça va. Ça va? Wow. Ah, c'est joli ici. Des vlogs. Ouais. En moto là, tu dois le connaître. Silk. Hein? Silk. Ouais. Ouais. Tu l'as jamais croisé lui? Je l'ai pas croisé, je devais le. Au truc, il y avait MR3X, il était pas? Non. C'est beau. Bon, merci d'être venu hein. Ouais. Elle a les dégâts. De ses chaussures. C'est vrai. Je suis content d'être venu Chico pour toi bébé. Oui. Wow. Ouais, t'aimes bien ce coin, c'est un coin qui te plaît. C'est vraiment super, Montpellier, ville de pain caché, hein, on est super bien. Ça rime en plus. Venez. Ah ouais. Bon, entre temps quand même on avait les crocs, alors on allait bouffer. À la hauteur de mes moyens. Mais c'était plutôt cool. Bon appétit. C'est vrai que j'ai pas mangé depuis 10 ans. Derrière du coup on s'est barré, on a repris le S1000 RR. J'ai remis Eric derrière moi. Et cette fois, c'est lui qui m'a emmené quelque part. On allait dans un vieux château abandonné. Et franchement, c'était stylé. Première vraie étape depuis que je suis parti de Lyon. Donc voilà, je suis dans un bled pas loin de Montpellier avec le poteau Kikastar. Voilà.
on est pas mal. Ça fait bizarre quand même de me dire, je sais pas, je suis au milieu de rien et puis c'est bien, tu vois. J'ai pas de chez moi, mais en même temps c'est bien quoi. Y a pas de loyer, y a pas de facture. Y a pas de routine. C'est à faire une fois dans sa vie, je crois. Là, franchement, on est bien. Allez, on se casse.